T'as quoi te défendre, mais t'es pas immortel. Une balle dans la tête et tu retrouves ton créateur. Ça va le faire. Pas mal pour une première fois. Continuez comme ça! Voilà, c'est ça que je veux voir. Bien joué. Connecte-toi à cette porte pour moi. Bien joué. Connecte-toi à cette porte pour moi. Allez, ne cache pas ma bonne humeur. Ouvre cette porte. C'est quoi cet endroit? C'est ici que tout est arrivé. Cet ordinateur devrait nous donner des infos sur la façon dont ils ont apporté les explosifs à bord. Va te connecter. Les robots. Ils ont piraté les robots de sécurité. Ils ont mis les explosifs dans le train. Tu veux entendre un truc ironique? En réalité, l'attaque terroriste a accéléré le développement du projet de réseau neuronal de l'accord Winslow. Si on n'avait pas eu peur des attaques de ce type, on n'aurait sans doute jamais eu le programme de cybersoldats. Attends un peu. Il est 7h25. Tu as 5 minutes. T'es déjà venu ici, mais voyons maintenant si tu peux changer l'histoire. Considère tous les robots comme des ennemis. Crois-moi, c'est aussi comme ça qu'ils te voient.
La volée de coups est une autre de tes cybercapacités. Et c'est là sur ces bots. Surveille les côtés. Ils arrivent par les fesses. Utilise la volée de cours. Belle volée de cours, c'était nickel. Réseau neuronal est dans cette voiture, juste en dessous. Il est moins protégé par ce coup de SDC. Ça ne changera rien une fois que la bombe aura sauté. Tu ferais bien de te manier. Continue d'avancer. J'ai presque localisé les explosifs. Le wagon est piégé. Si je pirate la bombe, que je la déplace ou que je détache le wagon, ça saute. Ça va pas! Même avec un ordinateur dans le crâne. Je manque de temps! En fait, c'est très simple. Attends. C'est un train maglev. Si j'inverse la polarité de ce wagon... Il n'y avait aucun moyen d'arrêter ça et de descendre du train. Ton IDN te montre toutes les options, mais toi seul peux décider de ce que tu acceptes de sacrifier. Parfois, il faut laisser tomber. Taylor, comment va votre patient ? Aussi bien que prévu. J'attends mieux que ça. Vous devriez le savoir. Rebonjour. On te prépare pour la chirurgie maintenant. Tout ira bien. Hendrix n'a même pas été blessé au cours de la mission. Il s'est porté volontaire.
L'augmentation du nombre de drones et de robots pour les combats a fortement diminué la présence humaine sur le terrain. Je l'ai dit et je le répète, pas d'autres commentaires pour le moment. Nous continuerons d'explorer la piste des négociations diplomatiques. L'accord Winslow nie tout envoi de troupes dans la région, affirmant chercher une solution diplomatique à cette nouvelle crise. Nous travaillons d'arrache-pied avec nos alliés pour fournir, aux endroits concernés, un appui tactique. On fait ça depuis combien de temps, Hendrix ? 5 ans, plus ou moins. C'est ce qui me semblait. Tu penses jamais à ce qui nous attend ? Non. Tu me connais. Je suis le mouvement. Salut, Hendrix. Où on est déjà ? Singapour. Un de mes endroits préférés. Si on prend pas en compte tous les autres. On a rendez-vous avec notre intermédiaire, dans la zone de quarantaine. Ah oui. C'est une mission de la CIA. Ici, c'est leur base. Content que tu te rappelles. J'espère aussi que tu te rappelles ce que je pense de la CIA, qui épine aux moindres faits et gestes. Oh, ils épient toujours, Hendrix. Tu dois le savoir, ça. Je crois que tu deviens grincheux avec le temps, c'est tout. La station classifiée de la CIA ne répond plus. Elle avait été mise en place après la tragédie de Singapour. Et sa fonction était de surveiller les opérations locales. Depuis que le mur existe et que les autorités ont abandonné tout effort d'évacuation, l'endroit a été laissé aux mains d'une importante organisation criminelle, les 54 Immortels. Dis-moi ce que raconte la CIA. Le dossier donne tous les détails sordides. L'explosion du complexe Coalescence a fait 300 000 morts. Les projets d'évacuation et de réaménagement ont été abandonnés au moment des super-tempêtes. Alors qu'est-ce qu'il y a de si important pour que la CIA nous envoie enquêter ? Les Immortels traitent avec le CDP et ses alliés. Trafic d'armes et de technologies. Tu m'étonnes que la CIA soit inquiète. Bon sang. Tu peux pas imaginer à quel point c'est bon. Après toutes ces rations dégueulasses, ce truc-là a un goût de paradis. Tu sais, tu pourras avoir un mod qui améliore le goût de tout ce que tu manges. Ouais, mais si je faisais ça, j'arriverais plus à apprécier le vrai goût. On n'a pas le temps de glander, hein ? Voilà, on n'ira pas plus loin. Bon, on se met au boulot. C'est l'anarchie ici. Alors c'est bon de savoir qu'on peut utiliser tous les moyens nécessaires. Quand la tempête sera vraiment là, on aura des rafales de vent à plus de 200 km/h. Prends ça. On tient pas à ce que tu te fasses emporter. Kane, on va brouiller les systèmes de communication des 54 Immortels. Bien reçu, Hendrix. Mais va falloir que vous fassiez une escale sur le chemin. Les
immortels ont déjà infiltré la station classifiée. Ils préparent une cargaison sur les quais. Pourquoi les immortels auraient attaqué un bidonville? Il devait y avoir quelque chose qu'ils voulaient. Si du matériel sensible tombait entre les mains du CDP, ça pourrait être désastreux pour l'accord Winslow. J'attends la confirmation d'une attaque par drone, mais préparez-vous à les intercepter. On ne peut prendre aucun risque. Compris. On y va. Ça bouge devant. On reste baissé. Les immortels ont une affaire florissante de trafic d'êtres humains. Ils vendent des gens pour tout ce que vous voulez en faire. C'est pour ça qu'ils ont attaqué le bidonville. Qu'est-ce qu'il vient d'attacher à son cou? Le collier sert à les empêcher de s'enfuir. Hendrix, arrête, c'est pas notre mission. On peut pas faire grand-chose, là. Fils de pute! Il faut qu'on se mette à l'abri! Suivez-moi! Attention, un véhicule tactique entre dans les zones! Des ennemis dans le bâtiment! Faut qu'on se mette à l'abri! Suivez-moi! Attention, un véhicule tactique entre dans la zone! Blindage est trop épais.
Terminé. C'était chaud. Saloperie. Ça m'étonne pas. Les immortels ont accès à toutes les armes et au matos de leur rêve ici. Les rafales de vent seront encore plus violentes quand on prendra de la hauteur. Prépare-toi à planter cette ancre et agrippe-toi de toutes tes forces. Les rafales sont violentes. J'utilise l'ancre. Toujours pas. On pourra pas rester dans cette zone très longtemps. On y voit de moins en moins. Active le mode tactique pour éviter qu'ils nous prennent par surprise. Thank you.
Un scan, toujours pas. On pourra pas rester dans cette zone très longtemps. On y voit de moins en moins. Active le mode tactique pour éviter qu'ils nous prennent par surprise. Approche du central de communication. On vous tient au courant quand on aura tout nettoyé. Dépêchez-vous. On vient de nous signaler que des infos détaillées sur les points faibles de nos troupes alliées ont déjà fuité vers le CDP. On peut s'attendre à perdre une bonne partie de nos hommes. Il faut à tout prix empêcher ça. Compris. Doucement.
Je te vois. J'éclaire les cibles ennemies. Je vais leur balancer des lucioles. Kane, on termine le nettoyage. Oh merde, à couvert! Partez! Hendrix, tu tires? Non, je l'ai! Mortel de merde! Je vais te tirer!
allez bien derrière ? Agent Kane ? Je croyais vous avoir dit de rester en dehors. Vous aviez l'air d'avoir besoin d'aide. Et puis, vous avez fait tellement de bruit que tous les soldats des 54i vont arriver d'une minute à l'autre. Faut se recentrer sur l'objectif. On doit couper leur système de communication avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Suivez-moi. Après vous. C'est verrouillé. Toutes les communications passent par un autre relais. Vous pouvez le localiser ? Une petite minute. Je l'ai. Vous devriez pouvoir charger le brouilleur de là-bas. On se retrouve à la station classifiée. Moi, ça me va. On fonce.